Donc bonjour, bienvenue sur Scooter et Mécaboîte. Donc nouvelle vidéo sur la DT. On va s'occuper du remplacement du kitchen. Et au passage, je vais changer le pignon. Je vais mettre un pignon plus grand. J'avais un pignon de 15 dents ici en pâte 428. Actuellement, elle est en 14 par 50 au niveau de la démultiplication. Bon, en axel et en couple, ça marche pas mal. Le problème, c'est que je plafonne à 114. Donc, je vais mettre un pignon un peu plus grand devant parce que la démultiplication que j'ai là, c'est la démultiplication que j'avais avec le 70 top noir en course 39. Donc, bah, la démultiplication n'est plus accordée à la cylindrée du moteur. Donc, on va remplacer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la roue, bien entendu, et surtout, je vais démonter le bras auxiliant arrière. Tout simplement parce que j'ai le patin de chaîne qui est encrassé et j'ai également le tendeur. Non, le patin de chaîne qui est encrassé. Il y a un espèce de patin qui sert à garder la tension de la chaîne qui est encrassé aussi et j'ai le guide de chaîne qui est encrassé. Il faut que je les nettoie et surtout il va falloir que je fasse une rectification car ils sont bouffés et malheureusement c'est des pièces qu'on ne trouve plus. Donc là, j'ai enlevé le cache-chaîne, donc je vais pouvoir en profiter maintenant que j'ai une caméra de qualité de vous montrer le problème que j'avais eu avec le carter la dernière fois. Alors, je vais zoomer. Là, on peut se permettre avec celle-là. En fait, sur cette morceau-là, il me manque de l'alu. En fait, c'est pour ça que je pouvais pas visser la dernière fois. Donc, j'étais obligé de mettre des boulons un peu plus longs et de mettre un. Là, par contre, faut que je dézoome, le focus il ne peut pas se faire. Il a fallu que je mette un écrou en guise entretoise. Donc ça sera refait par un peu plus tard. Hein. Ce que je ferai, c'est que je mettrai des tiges filetées en M5. Je mettrai une entretoise là. Je ferai, je mesure sur un de mes anciens carters la longueur. J'ai vu que ça se trouvait. Et je mettrai deux écrous avec rondelles intégrées à l'extérieur. Voilà. Donc là j'ai démonté chaîne et pignon. La couronne elle est toujours sur la roue arrière, je la refais après. Je vais démonter le cache-chaîne. Alors, pour le cache-chaîne, vous avez une vis ici, un boulon ici. Un boulon là. Je vais déjà démonter cette partie-là. Donc, le dernier boulon, il est ici. Ah, c'est pas la même douille. J'avais changé ce boulon-là.
Donc non, c'est bien la bonne douille, c'est juste qu'il y avait de la saleté dedans. Hop là. Donc, je disais, le guide, il y a deux boulons, il y en a un là. Où je vais voir pour le patin de chaîne, je vais peut-être essayer d'en acheter un de derby. Je vais percer le bras. Parce que les derby se fixent par en haut. Je percerai le bras, je foutrai un hélicoï. Et puis basta. Je vais voir comment goupiller ça. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le patin là, qui sert à garder la tension de la chaîne, c'est celui-là, cette pièce-là. Donc elle, je peux la rectifier. Elle, je vais pouvoir, parce que c'est du plastique assez plein et assez épais, donc je vais pouvoir, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en revanche, le patin de chaîne, il faut que je trouve une solution. Je crois que je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui, parce que franchement, il est vraiment bien attaqué quand même. Quand même bien creusé. Bon, petite mise à jour hein, j'ai passé pas mal de temps pour des prunes, donc j'ai été chercher ça chez mon concessionnaire. Je peux pas le mettre. Bon, je m'en serais douté un petit peu hein. Je demande un truc de 50, on me file un machin de 125, enfin bref. Donc dans le coup, j'ai fait deux trous dans le bras auxiliant pour pouvoir l'installer, pour pouvoir foutre des hélicoïs. Le problème, c'est que j'ai pas assez de matière pour foutre un hélicoï. Donc voilà, donc dans le coup je me retrouve avec deux beaux trous dans le châssis, dans le bras arrière, c'est super. Donc bah dans le coup j'ai pris la décision de remonter le patin d'origine. Hein. C'est bon, bon il est cassé, je m'en bats les cacahuètes. Hein. Ça va rester comme ça pour le moment. Quand je pourrai, je rachèterai le patin origine chez Enduro 24. Hein. Mais bon, j'ai essayé de les contacter quand même. Pour voir s'ils peuvent pas baisser quand même les frais d'envoi, parce que 30 euros de frais d'envoi, moi je trouve ça franchement abusif. Soit ils baissent le prix de les frais d'envoi, soit ils baissent le prix de la pièce, parce que là c'est bon.
Ça, je peux pas le monter. Donc, ça sera à ressouder. Dans le coup. À voir. Soit je soude ou je crois que je vais même carrément changer le bras arrière. Je vais pas m'emmerder. Je vais regarder si je peux pas en avoir un d'occasion. Un bras arrière. Et éventuellement avec le patin. Même s'il est un peu abîmé. Voilà. C'est bon. On est ras-le-bol là. Donc on va remonter le bras auxiliant. Une des choses bien casse-couille aussi à remonter sur cette bécane. Alors j'essaie de vous zoomer un peu. Ça devrait être bon là. Normalement. On graisse l'axe. Bon, je vais changer le kit chaîne hein, quand même. Mais j'ai remis le patin de chaîne d'origine. Hein, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai passé 3 heures pour essayer d'adapter un putain de patin. Plus de 3 heures. Attendez. Je ne vous ai pas mis correctement. J'ai dézoomé, sinon vous n'allez rien voir. Putain. Décidément, je crois qu'aujourd'hui, ça a vraiment décidé de me faire chier jusqu'au bout. Putain, vas-y là. Ah, c'est bon. Donc maintenant, faut que j'arrive à choper le moteur. Ça fait la même musique. Ah putain, c'est pas possible. Je vais y aller au marteau. Hein. On va pas me casser les burnes. Putain! Ah, ça y est. C'est bon, il est passé. Et maintenant, c'est là. Ça, je le serrerai tout à l'heure. Quand j'aurai remonté la suspension, il y a un serrage au couple. Voilà. On va refoutre la suspension.
Voilà, maintenant que la suspension est replacée, on va pouvoir resserrer au couple. Et c'est 95 newton mètre le serrage. Maintenant, la suspension. Alors, la suspension, donc pour le kitchen, moi je roule que avec du France Équipement. Je ne monte jamais rien d'autre comme marque. Que du France Équipement sur le 50. Donc en couronne, bah j'ai repris la même. J'ai repris la même démultiplication. Voilà. Quand vous changez une couronne, un petit conseil, changez au moins les écrous. Vous n'êtes pas obligé de changer les boulons, mais changez au moins les écrous.
Donc serrage 47 newtons, 40 newtons. Ensuite, vous revérifiez que bien entendu que tout est bien serré. Là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Je vais vous montrer en vidéo normale comment placer la roue, enfin surtout avec l'étrier et l'axe. Après on accélère. Voilà. J'aurais peut-être dû présenter l'axe avant quand même. Alors comme tout axe, on le graisse avant. Hein. Ça fait pas de mal. Oups. Hop. Et bien le maillet Eco Plus. De côté, vous avez une entretoise à mettre. Comme ça, qui vient entre la roue et le bras auxiliant. Ensuite, bah, vous mettez l'autre tendeur de chaîne. Donc je viens de nettoyer le guide de chaîne. Donc on va le remonter. Alors ça c'est pareil, c'est une pièce qui est morte, mais cette pièce là, elle y est toujours chez Yamaha et je peux même la voir sur un autre site, c'est sur 50 Factory. Mais bon, j'aurais préféré trouver l'autre hein, quand même. Celle-là, on va dire que je m'en fous un petit peu qu'elle soit morte. Celle-là, c'est pas trop méchant, c'est juste un guide. Ça va plus vite comme ça. Alors on serre. On ne serre pas comme un baiser non plus parce que il y a des écrous, nil stop dedans. Et c'est quand même serti dans du plastique. Hein, donc voilà, ça c'est bon. Ça c'est la chaîne. En pignon, comme je vous ai dit, moi j'avais pris un kitchen en 14 par 50, mais je ne vais pas monter le pignon de 14. Je m'étais acheté un pignon de 15 quand j'avais changé le kitchen la toute première fois sur le DT, quand j'avais monté le 70 top noir. Mais pour le 70, c'était trop grand. Et là, d'un coup, je pense que pour le 85, je pense que ça devrait le faire. Enfin, 85 ou 86, hein. J'ai toujours pas la certitude de ce que c'est comme cylindre.
Il est mis. Voilà, on va monter la chaîne. Alors pour les chaînes, je vais vous dire un petit truc au sujet des chaînes. Il existe plusieurs modèles. Il y a des chaînes de couleurs. Les chaînes de couleurs, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous les déconseille. Je vous les déconseille, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai déjà vu ça en stage. Je sais plus si j'en avais déjà causé. Mais il y avait quand je faisais mon stage en mécanique, quand je faisais mes stages en mécanique à une période, on a eu un jeune qui avait acheté une chaîne de couleurs, qui avait voulu acheter une chaîne de couleurs. Le garagiste y avait dit qu'il lui déconseillait ces chaînes-là parce que ça avait tendance à se gripper au niveau des maillons. Le jeune n'a pas voulu écouter ce que le mec lui disait. Dans le coup, il a monté cette chaîne-là, et quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? La chaîne, elle a grippé. Et en fait, c'est la peinture, en fait, qu'il y a au niveau, sur la chaîne, en fait, c'est peint sur les côtés. Et la peinture, en fait, vient bloquer les espèces de rivets. Ce qui fait que la chaîne ne s'articule plus. Normalement ça devrait y aller, ouais, nickel. Malgré que j'ai mis un pignon de 15, ça y va quand même. Voilà, il y a l'attache rapide. Et avec l'attache rapide, on a un petit sachet de graisse. Alors c'est pas de la graisse pour graisser la chaîne. Même si la chaîne elle est pré-graissée, il faut quand même la graisser avec une bombe. En fait, c'est de la graisse tout simplement pour monter la tâche rapide. Donc c'est une graisse assez fluide, hein, jaune. Il faut en mettre. En fait, cette graisse-là sert pour le montage de la tâche rapide. Voilà. Hop. L'agrafe rapide à mettre et dans le bon sens. Donc l'arrondi, vous montez la tâche rapide sur le haut de la chaîne et l'arrondi vers l'avant. Maintenant que ça s'est placé, ce que je vais faire, c'est que je vais redesserrer ma roue, redétendre un peu les tendeurs pour pouvoir monter la chaîne.